Bonjour à tous, on va attendre ceux qui vont arriver peut-être un peu plus tard. Là. Voilà, on va faire le deuxième live. Du coup, on a fait un premier cette semaine. On va attaquer le deuxième là. Donc, on va travailler surtout sur les points. Donc, on va travailler un peu le jab au départ. On va faire un travail technique. Après, on va faire un travail un peu sur les abdos, tout ça. On va travailler les cuisses. On va faire un petit programme un peu complet. Voilà, tout le corps. Voilà, allez, on fait le salut. Bonjour à tous. Allez. On commence directement par un petit peu de shadow. Allez, et on bouge. Voilà. On va travailler bien sur le jab. Voilà. Donc le point avant vient en direct. Alors on va bien avoir le coude au niveau des côtes. Voilà. Donc le coude ici vient bien au niveau des côtes pour envoyer et on revient bien ici. Faut pas faire comme ça, comme souvent. Le coude qui monte dès qu'on tourne, souvent comme ça. Voilà. On essaie bien de partir bien droit. Voilà. Donc là, on va faire un petit travail technique d'abord au départ. Voilà. On travaille déjà bien gauche. Petit pivot sur le pied avant. Voilà, je recule un peu quand ça enroule aussi mon pied. On pivote un petit peu. Voilà. Là. Et on part bien droit. Et on revient bien droit aussi. Voilà. OK? Après, on commence à bouger un petit peu. Là, on pousse, on avance en même temps. On envoie, on revient. On pousse avec la jambe arrière. Et on revient. D'accord? Je pousse avec ma jambe droite, avec ma jambe arrière. Alors là, c'est en opposé, hein. Des fois, je me trompe. Je suis droitier, mais avec la caméra, donc elle est inversée. Voilà. Donc, on va dire point avant. Le point avant, je pousse avec ma jambe arrière. Voilà. Voilà. On pousse avec la jambe arrière. Voilà. OK? Et après, on combine un peu. On bouge, on se déplace. Hop. On peut le doubler. 1, 2. Et on bouge. 1, 2. Donc, on revient à moitié. 1, on revient un petit peu et on repart tout de suite derrière. Deux fois avec le corps. Le pivot sur le pied avant. Voilà. Et donc si on double, ça fait ça. 1, 2, on peut avancer. 1, 2. Si je me mets en face de vous. 1, 2. Voilà. Donc le coude, pareil, ne fait pas comme ça. C'est ce qu'il faut toujours vérifier. Si le coude est bien, toujours bien à ce niveau-là, là, sur la ligne comme ça. Et pas sur le côté. Voilà. 1, 2, voilà. Allez-y. Pour voir un peu si tout me revient. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a un problème ou pas. Si vous n'entendez pas, vous mettez les commentaires, comme ça je regarde aussi en même temps. Voilà. Allez, donc on travaille de gauche. Gauche, gauche. Voilà. Et prochainement, je vais faire une vidéo sur le sac de frappe. Voilà, avec le jab. Voilà, et on pousse. Voilà. On accélère un petit peu. Après, on peut mettre aussi des esquives. Esquive d'un côté, peu importe. Hein. Voilà, hop. Je peux esquiver de ce côté ici aussi. Boum, et je remets derrière. 1, j'esquive, je remets. 1, j'esquive, je remets. Pareil, c'est l'autre. 1, je reviens. Je reviens, je frappe. J'esquive, quoi, je frappe. Je reviens, j'esquive, par exemple, un jab de l'adversaire ou une droite, hein, peu importe. Et dessus, je repars. 1, hop, bam, je repars. Jab, j'esquive, je repars. Voilà. Donc, amusez-vous un peu avec le jab. Doublé. Voilà. Et on remet l'arrière. Voilà. On met un peu d'intensité, on commence à monter un petit peu maintenant. Voilà. Et on bouge. On peut mettre un petit esquive. Voilà. 1, hop, et je remets. Voilà. On reste toujours avec le gauche pour l'instant, point avant. Donc là sur la caméra, vous avez le point droit pour moi, vu que c'est inversé. Mais c'est pour moi, c'est bien mon bras gauche qui passe. Voilà. C'est le bras avant, d'accord? Bras avant. Après, que ce soit un gaucher ou pas, la garde change. Voilà. Chacun dans sa garde. Après, on peut s'amuser à tourner. De toute façon, on va changer après la garde. Pour l'instant, on reste avec sa garde habituelle. Voilà. Voilà. On met les esquives un petit peu, on bouge. Pareil, sur les esquives. Pas trop loin, on reste bien au-dessus du genou. Là, voilà. L'autre côté, pareil. Je garde bien les coudes aussi au niveau des côtes. Et mon niveau des yeux. Voilà, et on monte un petit peu en cardio. Là, allez, là on va accélérer sur 10 secondes. Que du direct. Du bras avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et on bouge. On est en train de doubler. 1, 2, et on repart. 1, 2, et on repart. 1, 2, et on repart. Voilà, on change un peu de garde. Allez, pareil, on fait la même chose avec le bras avant. Voilà. Hop, on a changé de garde. Là, on envoie. Pareil, on fait une esquive. Un point, on esquive, on remet un point. 1, j'esquive, un point. 1, j'esquive, un point. Voilà. Un point, j'esquive, je remets encore un point. Voilà. 1, 1, 1, et on remet. Voilà. On remet. Voilà, tendez bien les bras.
Alors, on pivote. Voilà. Toujours l'épaule aussi qui protège le menton. Voilà, on regarde bien devant à chaque fois. Voilà. Et on envoie. Voilà, continue à bosser un peu. Voilà. Allez. Mettez-vous dans la garde habituelle maintenant. Voilà. Et on combine maintenant. On met le deux points. On essaie de créer un maximum des attaques avec le point avant. C'est-à-dire que je peux très bien être qu'un jab, deux jabs, gauche-droite, gauche, coup de pied, d'accord? Gauche, coup de pied avant, en direct, gauche, pied circulaire avant, voilà, jab, genou, jab, je me regarde, genou, voilà, et on combine comme on veut. Jab, jab, crochet, jab, jab, crochet du droit, voilà, jab, jab, uppercut, jab, jab, uppercut arrière, jab, jab, uppercut, voilà. Et on peut combiner avec un dernier crochet après. Gauche, gauche, quoi, point avant deux fois, point arrière, point avant, crochet. Voilà. Deux directs du point avant, direct, uppercut du bras arrière et bras avant, voilà, en crochet. Voilà. Voilà, et soulevez bien à chaque fois. Toujours bien la tête rentrée, le menton rentré, uppercut, voilà, et on bouge. Allez, on met les jambes un peu plus maintenant, on combine, voilà, jab, coup de pied, jab, coup de pied, jambe avant, jab, type, jab, circulaire, allez, on bouge, voilà. Si vous avez du mal sur le coup de pied, n'hésitez pas à monter, tendre, revenir. D'accord? On reste un peu en équilibre à des moments. Ça fait travailler un peu les jambes. Ça fait travailler les coups de pied. Aussi. Bien l'équilibre. Voilà. Bien l'équilibre. Et bien les muscles au niveau des jambes. Allez, on continue encore un petit peu. Allez. On va travailler pour 2 minutes comme ça. Après, on va enchaîner sur le travail des. Un échauffement après avec les cuisses. Et on fera les abdos derrière. Voilà. On va choper un peu les jambes derrière. Allez, on combine. On accélère un petit peu sur les deux dernières minutes. Voilà, hop. J'esquive, je remets un crochet. Jab, j'esquive, crochet. Voilà, jab, esquive, crochet. Gauche, droite, j'esquive. Crochet du droit, par exemple. 1, 2, esquive. Point arrière. Donc, point avant, point arrière. Esquive, point arrière en crochet. Voilà. Point avant, deux fois par exemple, gauche-gauche, ou droite-droite, peu importe. Pour arrière, j'esquive, du même côté que j'ai mis mon bras arrière, crochet, point arrière. Voilà. Et après, on peut combiner avec les jambes. Voilà, le but, c'est de toujours bouger un petit peu. Voilà. On peut travailler les uppercuts du bras avant aussi un petit peu. Hein. Jab, uppercut, le doubler un petit peu du coup. Jab, uppercut. Jab, uppercut. Pareil, il faut bien donner le poids avec le poids du corps. Jab, uppercut. Jab, crochet. Jab, crochet. Il faut travailler son corps. Il ne faut pas que le bras fasse tout seul le bras. Comme ça, le mouvement, c'est pas bon, on n'a pas de force. Donc, 1, je reviens un peu. Crochet en avançant un peu. Jab, je redescends un peu. Boum, uppercut. Souvent, c'est pour mettre une droite, un point arrière après. 1, là, point arrière. Voilà. C'est bon, ça va, tout va bien pour l'instant. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, comme ça je vois un peu. Voilà, encore un petit peu. Allez, encore 10 secondes, bah, allez, on finit en point. Allez, en direct sur les 10 dernières secondes. Allez, on accélère, on accélère, on accélère. Allez, encore, allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top, ok, relâche. Souffle un petit peu, buvez une gorgée. Et là, on va passer un peu sur les cuisses pour chauffer comme il faut. Un petit travail pas très long pour le moment, ça on va refaire derrière. Voilà, on va partir juste sur quelques flexions. Allez, on attaque dans 10 secondes. Voilà. Dites-moi hein, si ça va ou pas, hein, s'il vous plaît. Voilà. Ou si l'entraînement est pourri, on sait jamais aussi. Allez, on y retourne. On enchaîne sur les cuisses, donc 20 flexions, tranquille. À son rythme, hein, c'est l'échauffement là. Allez, 20 flexions. Allez. 1. 2, on souffle en montant.
3, bien droit. 4, 5, 6, 7. On est légèrement penché en avant. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok, relâche un petit peu. 20 petits sauts. Voilà, donc là on se retrouve encore très haut, c'est le petit saut pour chauffer un petit peu. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On amortit bien, on ne fait pas de bruit. 6, 7, 8, 9, 10. Pensez aux voisins qui sont en dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'en ai pas. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, relâche. Récupère un peu les jambes. On part sur les fentes. On va juste faire 10 fentes. Donc là, on s'aligne bien. On essaie d'avoir son genou au-dessus du pied. D'accord? Là, le genou avant. On descend, on frôle le sol avec la jambe arrière. Ok? On en fait 10. C'est parti. Allez. 1. Je souffle en montant. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Voilà. Avec le genou gauche, le genou arrière, là je descends un peu moins. Mais vous descendez aussi si vous pouvez. Voilà, allez, on en fait 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, relâche un petit peu. Voilà, on part sur les fentes alternées. Donc on saute une fente. On alterne, on saute, on amortit bien surtout, d'accord? On reste pas bien grand comme ça, ok? On en fait 10 en tout. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Prenez bien le temps d'atterrir. 6, d'amortir. 7, 8, 9, 10. Oh, ok. Relâche un petit peu. Là, ça va être bon pour ça. On enchaîne sur les pompes. 20, 30 pompes, 10, voilà, c'est comme vous pouvez. Sur les genoux, sur les pieds. Voilà. Je me mets là. Allez. À votre rythme, d'accord? Je pars sur 20 pompes pour moi perso. Je vous montre le mouvement pour ceux qui n'arrivent pas trop. Tout le corps descend. D'accord? En même temps. Je frôle le sol. Si j'y arrive pas, je pose mes genoux. Je descends. Je remonte. Descendez aussi bas que vous pouvez. Si vous pouvez remonter, si vous descendez trop bas, que vous n'arrivez pas à remonter, c'est pas bon. Donc descendez. Jusque là, vous pouvez remonter encore derrière. Voilà. Après, vous pouvez aller un peu plus vite. C'est juste pour essayer de chauffer. Voilà. Ok. Alors après, c'est si vous avez une table, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu l'exercice avec une table pour faire comme des tractions. Alors tout le monde ne va pas y arriver. Tout le monde n'a peut-être pas une table solide. Donc voilà, vous testez. Pas une table en verre. Prenez plutôt en bois, d'accord? Voilà, je vous montre. On se met en dessous, on agrippe bien. C'est bon, tout le monde voit normalement. Et là, on monte. Comme ça, 2, 3, d'accord? Voilà, ça c'est l'exercice. On peut tendre les jambes ou les plier. Plier c'est plus facile, tendu c'est plus dur. Si jamais on n'y arrive pas, qu'on n'a pas de table pour faire cet exercice-là, on fait entrer sur le dos avec les haltères. Donc, par exemple, là, je prends 2 kilos pour la première série. On se met sur le ventre. Là, et vous allez faire du coup. Hop là, je regarde si vous voyez bien. Voilà, là, petit mouvement comme ça. Ça fait quand même travailler le dos, c'est différent. Voilà, dos, lombaire, voilà. Ok? Donc, si vous n'y arrivez pas, ou si vous n'avez pas une table pour le faire, vous faites ça. D'accord? Donc, je vais faire une série 10, 20, 30, ce que vous arrivez à faire. Quoi, avec une table, à mon avis, ce sera 10 répétitions. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour le faire, 30 secondes. Voilà. Et après, on enchaîne après sur les abdos derrière. Hop, mon petit tapis. Hop, hop. Voilà. Ok, on attaque. Abdos, donc abdos, pareil. Si vous pouvez, vous faites avec l'haltère, si vous n'y arrivez pas. Sans la terre. Voilà.
Hop, on va commencer par les crunchs. Voilà, donc je vous montre d'abord et après on le fait ensemble. Voilà, on est là, on garde la terre ici, ou les deux haltères, peu importe, ou sans haltère. Là, on remonte, on garde la terre vers le haut, on remet vers le ventre, on souffle en montant. Voilà, on va partir sur 30 secondes comme ça, avec ou sans haltère, ok. Après, on enchaîne montée de bassin. Soit on arrive à monter, voilà, je vous montre comme ça. Voilà. Soit vous arrivez à monter le bassin, soit vous n'arrivez pas, dans ce cas-là, vous enroulez juste un peu les genoux. Voilà, ça c'est la version facile, mais ça bosse quand même. Voilà, vous soufflez en montant. Voilà, ça c'est la version facile. Donc, soit celui d'avant, soit celui-là. Voilà, après, on va faire les obliques en tournant. Voilà, avec haltère ou sans haltère. Voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, et après, on est sur le dos. On va contracter un petit peu, donc avec les deux mains, comme ça, on pousse. On va faire comme ça, 10 secondes. Donc on pousse avec les genoux, on pousse avec les mains, du coup en sens inverse, ça va contracter les abdos à fond. Après on relâche, on repose, on peut poser la tête aussi, et on repart. Voilà, on va faire 4 fois 10 secondes comme ça, voilà pour celui-là. Et après on finit avec les lombaires, après, voilà. Donc lombaires, du coup on fera l'exercice que j'ai montré tout à l'heure sur le ventre, avec les haltères. Voilà, haltères, voilà, et après on enchaîne du coup comme ça, ok, voilà. Ok, ça roule. Allez, on enchaîne. Donc on commence par les crunchs. Allez. Je vais mettre le chrono. Hop, allez. On commence par les crunchs. 30 secondes. Allez, c'est parti. Allez, donc là, à votre rythme. Prenez pas d'élan quand vous descendez. Encore un peu, 3 secondes, ok, relâche, je vais faire ça pour que vous voyez mieux. Allez, on enchaîne sur le deuxième exercice, on laisse pas beaucoup de pause. Allez, c'est parti, deuxième exercice, montée de bassin, allez. Essayez de garder les pieds au-dessus des genoux. Faut pas descendre les jambes ici en fait, les pieds. On garde les pieds ici, d'accord? Allez, encore un petit peu, 10 secondes. Soufflez en montant. Ok, relâche. Voilà. On part sur les obliques. Allez. Allez, comme ça, 30 secondes. On va attaquer dans 3 secondes. Top, c'est parti. Encore un peu, hop là. Allez. Approche avec une. Allez, 10 secondes. Ça arrache bien. Ouh, si on fait bien, les abdos, ça les fume. Donc on fait là 4 fois 10 secondes où on pousse sur les genoux avec les mains. D'accord? Donc les genoux partent par là et les mains partent par là-bas. Allez, dans 3 secondes, on attaque. Allez, top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Posez la tête, respire un peu. On repart, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose. Normalement, ça arrache bien. Plus deux séries. Allez, on y retourne. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on monte le ventre. 7, 8, 9, 10. On pose. Respire, plus qu'une. Allez, top, c'est parti. Deux,
une pince au lombaire. Allez, 30 secondes, du coup avec les haltères. Voilà. Allez, on attaque dans 5 secondes. 2, 1, top, c'est parti. Sur le ventre, allez, on tend les bras. Même si on ne tend pas, on peut très bien faire que ici. Ou alors on peut garder aussi les bras là et juste faire des remontées. Après, avec ou sans haltères aussi, hein, au choix. C'est vous qui gérez votre travail. Allez, encore un peu. Allez, 5 secondes. Ok, relâche. Voilà. Récupère un peu, levez une gorgée. Voilà. Hop, voilà. Et là, on va partir après sur le travail après. Abdos. Donc là, on fait le petit circuit maintenant. On va faire un circuit. Donc d'abord les cuisses. D'abord les cuisses et après. Voilà. Après, on enchaînera sur le reste. Voilà. On y va un petit coup. Ok. Allez, donc là on fait trois fois le même exercice, quoi, trois fois le circuit. Donc, flexion comme tout à l'heure, on va travailler sur 20 secondes. Là. 20 secondes pour les flexions. Voilà, donc c'est du rapide. Allez, on attaque. Top, après c'est les sauts. Et après on enchaîne les coups de pied. Là, en alternance. Donc on pose bien son pied à terre à chaque fois. Là on sautille pas, on se pose bien et on enchaîne. Comme ça, sur 20 secondes aussi. Ok, donc là on commence par les flexions. Allez, c'est parti. Top sur 20 secondes. Allez, top. Là, on les fait rapide. Tout en maîtrisant son mouvement, hein, par contre. Son dos bien droit. Et vous descendez aussi bas que vous pouvez en maîtrisant bien le dos, sans arrondir. On est bien droit. Pareil, la respiration. Hein. Moi, je parle en même temps, mais soufflez en montant. Ok, respire un petit peu. Sur 20 secondes en flexion saut maintenant. J'ai 10 secondes à peu près. Entre chaque, 2, 1, top, c'est parti. Allez, sur 20 secondes, flexion saut. Et on descend bien. Encore un peu, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, top, ok. Respire un peu. Et ça, donc on va faire 3 fois. Là, on enchaîne sur les coups de pied. Ça fera à la fin le troisième exercice, du coup, du premier circuit. Top, coup de pied. Allez, sur 20 secondes. On se pose, hein. Prenez votre temps, quand même, pour bien maîtriser votre coup de pied, la hauteur, selon vous. Ok. Respire un peu, 15 secondes. Et on repart sur la flexion, saut, coup de pied. Donc encore deux fois le même exercice. 5 secondes. On repart sur la flexion du coup. Ok, parfait. Allez, on y va. Parti. Ouais, non, pardon, flexion normale. Pardon. 20 secondes de flexion normale. Par contre, si on peut les accélérer, on les accélère. Ça, le but, c'est de travailler un peu de vitesse. Explosivité. Encore un peu. Ok. 10 secondes. Récupère. 5. Ok. Allez, 2. 1. Top. Flexion saut. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seconde. Coup de pied. En alternance. Top, c'est parti. Du coup, là, vu qu'on est chez soi, pour la plupart, restez à plat. Voilà. C'est le point de pied, vous n'allez pas réussir à revenir en plus. Voilà. Et ça risque de glisser.
Ok, relâche. 15 secondes. Et on fait du coup une troisième fois. Allez. 5 secondes. On recommence par les flexions. Pareil, 20 rapides. Dernière. C'est parti. Allez. 1. Encore. 5 secondes. Ok. Je perds 10 secondes. Allez, dernière série de flexions en saut. Bon, ça monte le cœur là. Ok, 10. Top, c'est parti. Allez, 20 secondes de flexion en saut. Allez, 3, 2, 1, coup de pied. Après, on récupère un peu. Donc là, le couplet ne sera pas parfait. Hein. C'est pas facile de faire des couplets parfaits à plat comme ça, dans le vide en plus. Appliquez-vous le plus que possible. Ok, relâche. Buvez un coup. On enchaîne sur le deuxième circuit. Récupère une minute. Récupère une minute. Récupère encore un peu. Faut de la pause hein, un peu pour pouvoir repartir. Là, on va faire les fentes. Les fentes alternées encore, parce qu'on a fait à l'échauffement. Si vous avez déjà récupéré, shadow tranquille, on récupère, relax, on attend encore les 30 secondes, on peut y aller mollo, voilà, on envoie, on s'applique sur les mouvements, les pivots sur les pieds, les épaules comme on a vu tout à l'heure, les coudes, voilà, encore 15 secondes, voilà, on récupère tranquille, on peut bouger aussi un petit peu, envoyer un peu, voilà, allez, 10, moins de 10 secondes, allez, 5 secondes. Donc là, c'est les fentes. Allez, on part sur 15 de chaque côté. Allez, allez, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Faites le même nombre de chaque côté, d'accord? Là, on change de jambe. Donc si vous avez fait 10, vous en faites 10. Alors, je suis parti pour 15 pour moi. Allez, 15, c'est parti. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, nickel. Récupère un peu, on part sur les fentes alternées. Allez, là on part sur 20 fentes alternées. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez à votre rythme, hein. 10. 1, faisant moins, c'est pas grave. 2, 3, 4, 5, ou plus vite aussi. 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on fait que des coups de pied direct. Là, sur 20 secondes. Allez, 5 secondes encore. Coup de pied direct. Pareil, jambe droite, jambe gauche. Top, sur 20 secondes. Pensez aux mains, on garde, vous pouvez laisser descendre légèrement le bras du côté de la jambe qui frappe et l'autre elle reste en garde. Encore un peu, 5 secondes. Ok, soufflez un peu. On repart sur les fentes sans sauter. 5 secondes en rattaque. Top, c'est parti. Je pars sur 15 pour moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3,
4, 5. Voilà. Récupère 2 secondes. On part sur l'autre. Allez, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça va commencer à être dur sur les fentes alternées. Récupère un peu. 5 secondes. Fente alternée. Allez, 3 secondes. 2, 1. Fente alternée. 7, on part sur 20 secondes. Allez, 10 secondes. Ça commence à chauffer. 5 secondes. Relâche. 5 secondes, coup de pied direct. 20 secondes. 2, 1, top. À chaque coup de pied. Encore un peu. 2, 1, ok. Récupère un peu. Allez. Troisième tour. Et dernier tour. Allez. On rattaque. Allez, dernier tour pour les cuisses. Allez, fente normale. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez, partez sur le nombre que vous pouvez, hein, en les faisant bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Récupère un peu. Je commence à avoir les jambes en feu, hein, je ne sais pas vous. Allez, fente alternée, dernière série sur 20 secondes. Top. Allez. 1. On pousse bien avec les deux jambes. Et on amortit bien avec les deux jambes. 10 secondes. Ça commence à être dur. 5 secondes. 3, relâche un peu, 10 secondes. Allez, coupe les directs pour finir. 5 secondes. Allez, 20 secondes de coupe les directs. 2, 1, top. Montez bien le genou et tendez la jambe. Mais faites attention de ne pas trop tendre la jambe dans le vide. Maîtrisez quand même l'exercice. Encore 2, 1, top, ok. Relâche, là vous récupérez un peu, on prend un coup. Une minute récup. Ok, donc là, on va faire les pompes, circuit pompe, pompe sautée, ou pompe normale, d'accord. Là, pareil, là, on va partir sur du 20 secondes, 20 secondes, et après, c'est coup de poing avec haltère. Donc, pompe normale, pompe sautée, sur les genoux, sur les pieds, sautée ou pas, c'est comme vous pouvez, sur 20 secondes, en maîtrisant bien l'exercice. Et après, c'est coup de poing avec haltère, ou bouteille d'eau, si vous avez des bouteilles d'eau à la place des haltères. Ou rien, si jamais vous avez rien, c'est pas grave. Allez, on va attaquer. Du coup, préparez vos haltères à côté. Allez, on attaque sur les pompes. Allez, sur 20 secondes. Allez, on attaque le circuit. Donc ça, pareil, on fait 3 fois le circuit. Top, c'est parti. Allez.
encore un peu. Ok. Je relâche. 10 secondes, on prend les haltères. Allez. Coup de poing. Top, c'est parti. 20 secondes, on accélère. On pivote bien quand même les pieds. On tend un petit peu, mais pas trop. On tend pas à 100% aussi. Faut pas se blesser. Uppercut aussi. Allez, encore un peu. 5 secondes. Ok, relâche. Souffle un peu. Et là, on passe aux 30 secondes. Accélération, c'est parti. Que les directs. On tend les bras à fond. Allez, hop. Donc là, ce sont les haltères. En direct, on reste sur du direct. Fais encore un peu. Allez, 5 secondes. 2, 1. Top, ok. Récupère un peu, on part sur les pompes. Allez, attention. On repart à nouveau. Top, c'est pas pour les pompes. Allez. 2, 3, 4, 5, 6. Et après, on continue normal. Quand on n'a plus de jus, pour sauter. Ok. On reprend les haltères. Ça, en fait, pas besoin. Allez, haltères. On accélère sur 20 secondes. Top. Uppercut direct. Allez, encore 10 secondes. Encore 2. Top. Ok. On pose. Accélération par rien direct. 2. 1. Top. C'est parti. Allez. On met des uppercuts. Des directs. Vous n'aurez plus le bras, on relâche un peu et on repart derrière. Allez, 10 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un, top. Ok, relâche. Allez, troisième tour pour les bras. Voilà, pas besoin de ça. Pour les pompes. Allez, c'est parti. Dernier tour pour les bras. Allez. Secondes. 2, 1, top, c'est parti. Allez, là, 20 secondes pour les points. Avec un tir. Allez, encore. Normalement, ça fume bien les bras. Allez, 2, 1, ok. Voilà. Récupère un peu. On boit un coup. On part sur le dos maintenant, ce qu'on a fait avec la table. Donc soit avec la table, on s'en va en dessous et on tire. Ou alors on fait sur le dos et on tend un peu les bras. Et on travaille du coup les lombaires, un petit peu l'arrière du dos, quoi, sur l'arrière au niveau des omoplates. Voilà, comme vous voulez. Allez, en série de 10 à peu près, même un peu moins si vous n'y arrivez pas. Avec la table, après le reste, on part sur 30 secondes. Personne n'attend de se placer pour ceux qui font la table. Voilà. Et après, c'est encore les coups de poing avec haltères. Allez, je vais mettre la caméra comme ça, vous voyez. Allez, on attaque donc sur le dos, donc haltère au sol, sur le ventre, ou alors tirage ici pour la table. Voilà. Allez, c'est parti, on met sur 30 secondes. Allez, top, vous faites le nombre de reps que vous pouvez. Jambes pliées ou jambes tendues. Voilà.
Allez, et là, on passe avec les haltères. Récupère 10 secondes. Donc là, je fais 15 répétitions, j'ai plié les jambes. Donc c'était plus facile. Voilà. Hop. Allez, coup de poing avec la terre. Allez, pareil. Là, 20 secondes. Top, c'est parti. Allez, là, on accélère. On accélère, mais on ne tend pas les bras. D'accord ? Alors, vous voyez, c'est pas tendu hein, quand je frappe. Voilà, uppercut. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Top. Ok. Relâche. Là, on fait des accélérations en point. On passe sur 30 secondes. Par contre, c'est des accélérations courtes. 4-5 coups et on relâche. En point. Direct, crochet, uppercut, comme vous voulez. Allez, 5 secondes en attaque. 2, 1, top. Allez, sur 30 secondes, une accélération courte. Et je relâche. Et on relâche. Et on relâche. Voilà. On va faire des crochets. Encore un peu, 5 secondes. Relâche. Récupère un peu. On refait le dos. Donc là, pareil, 3 fois le tour. Voilà. Hop, je vais placer là. Voilà. Pareil, donc sur le ventre avec la terre. Ou avec la table. Allez. Pareil, je fais la jambe tendue. C'est plus dur. Sur cet exercice, il faut bien garder les omoplates bien ramées. Là, on ramène les omoplates dans le dos, là, et on ne bouge plus. C'est les bras qui tirent. On ne va pas aller trop loin comme ça. Omoplates d'abord en arrière, on verrouille, on tire, et voilà, c'est tout. Et ça ne bouge plus à ce niveau-là, au niveau des épaules. Voilà. Ok. Là, du coup, haltère à nouveau. Allez. Ah, ça fume, ouais, c'est clair que ça fume. Ouais, dans les commentaires. Allez, on part avec la terre, donc là, 20 secondes, allez, 2, 1, top, c'est parti, on accélère, allez, hypercute, crochet, allez, encore 10 secondes, quand vous n'avez plus le bras, vous relâchez un peu, hein, vous pouvez, et on repart derrière. Ok, relâche. Accélération courte, pareil. Vous pouvez aussi travailler un peu en doublé du gauche, comme on a vu un peu déjà tout à l'heure, et puis après en inverse, c'est pas mal. Accélération du droit. D'accord ? Vous vous sentez inversé par rapport à la caméra, d'accord ? Mais bras avant, bras arrière, vous changez de garde. Ok ? Allez, top. C'est parti. J'accélère le bras gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je change. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et après, j'accélère le bras. 1, 2, 3, 4, 5, et je change de garde. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Encore un peu, 5 secondes. 1, 2, 3, 4. Ok. Je sais plus si on a fait 2 tours ou 3 tours du coup. Je crois qu'on a fait 2 tours. On a fait le 3ème, il me semble. Ok, on repart du coup sur le dos. Allez, dernier exercice. Dernier circuit pour ça. Allez. Pareil, on part sur 30 secondes, comme ça vous êtes temps de vous placer. Allez, top, on attaque. Allez. Maîtrisez bien la descente, gardez vos omoplates. Bien ramenez. Dernière fois les haltères, après on a fini avec les haltères. Allez, pareil. Allez, 20 secondes d'accélération. Allez, hop, top. Changez aussi de garde. On peut
peut doubler un peu le point avant. Enfin, pour des gardes, doubler. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Top. Ok, relâche. Et on part. Accélération courte encore. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Accélération courte sur 30 secondes. Et on relâche. Donc on essaie de tourner un petit peu, mais pas trop non plus. Je double du gauche, je double du droit, j'alterne. Accélère les deux, allez. Voilà. Allez, 5 secondes, 2, 2, 1, top. Ok, relâche. Récupère, buvez un petit coup. Et ben là, on arrive sur la fin. J'ai plus le bras. 2 minutes de shadow. On revoit ce qu'on a vu en début de cours. Donc, on travaille tous les enchaînements, un maximum d'enchaînements avec le jab en premier, le point avant. Ok. On fait un jab tout seul, un jab, un coup de poing, jab, jab, middle, genou derrière, comme vous voulez. Sur 2 minutes. Regardez un peu ce que je fais en enchaînement si jamais. Allez, top, c'est parti sur 2 minutes. Allez, c'est bientôt la fin. Allez, là je t'accouche sur un coup rapide, je bouge un peu comme si j'allais attaquer, voilà, je fais attention de prendre de coups par l'adversaire, je peux aussi faire des blocages, je bloque, bim, je rentre en point, je bloque, je rentre en point, voilà, ou alors j'attaque, bim, coup de pied, voilà, ok, 1, 2, et je reviens, donc là pareil, montez pas trop sur la pointe de pied sur le circulaire, sans obligé de faire ça, vous ne pourrez pas enchaîner, vous allez tourner, donc là, on modifie un peu la technique par rapport au sac ou en combat. Voilà. Jab, genou arrière, jab, genou arrière, jab, genou arrière, voilà. Jab, jab, point arrière, jab, jab, point arrière, voilà. Jab, jab, point arrière, jambe avant, boum, en circulaire. Jab, jab, droite, circulaire, avant. Jab, jab, droite, en pivotant bien sur le pied arrière. L'épaule passe bien devant, je ravance un peu mon pied arrière, j'envoie. Cet enchaînement-là, je l'ai mis sur le sac, sur YouTube, sur la chaîne Anti-Thai Boxing. J'ai mis des vidéos d'entraînement et je vais remettre encore sur tout ce qui est technique. Allez, encore un peu. Allez, 40 secondes. Donc jab, uppercut du bras avant. Donc jab, je reviens un peu, uppercut. Donc du même bras du coup. Jab, hop, uppercut. Jab, hypercute, droite. Jab, hypercute, droite. Voilà. Jab, hypercute, droite. Voilà. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Maintenant, jab, crochet. Jab, crochet du même bras. Jab, je reviens un peu et je ramène. Jab, je reviens un petit peu. Crochet derrière en pivotant son pied avant. Voilà. Jab, je tends. Je reviens un peu et je fais mon crochet. Voilà. Jab, crochet, droite. Jab, crochet, droite. Pareil, peut-être après, toutes les jambes avant, ou toutes les jambes arrière. Jab, crochet, droite, je décale, jambes arrière. Jab, crochet, point avant. D'accord. Droite, je décale un peu, circulaire. Donc là, je décale du coup, pour moi, du coup, de ce côté-là. Ok. Voilà. Jab, crochet, droite, je décale pour mettre ma jambe. Voilà. Ok, j'en ai fait 2 minutes 30. Récupère un peu. Et puis on va étirer pour finir. On va étirer les épaules un petit peu. Puis le dos aussi. Allez. Allez, petit étirement déjà comme ça. On se grandit un peu. Ça a bien tiré normalement. Respire bien. Là, on se grandit. Hein. On va chercher en hauteur. Voilà, allez, on part d'un côté, on respire tranquillement. Voilà, on part sur l'autre. Voilà, un petit peu en arrière sans se casser le dos, d'accord? On verrouille un peu, on peut contracter un peu les fessiers. Je pars un peu en arrière. Voilà, ok, maintenant on descend.
On laisse descendre les mains, donc par contre pas dans le vide, hein, d'accord. On dit que c'est le long des jambes. Je respire tranquillement, je laisse descendre comme je peux. Attrapez ce que vous pouvez. Respire surtout bien. On se relâche. Allez, pliez les jambes. On déroule. Et on tend à nouveau pour finir. On va juste faire un dernier exercice pour les épaules. Celui-là est bien. Donc là, la main sous le coude. Je tourne d'un côté, d'accord. Je regarde ma main. Je laisse pivoter aussi mon pied, d'accord. Mon pied de ce côté-là. Ok. Voilà. Et on respire. Ça va tirer donc normalement l'épaule et le dos. Voilà. Ça, je le fais régulièrement, ça fait vachement du bien. Ok. Et on lève justement, on fait l'autre pareil, la main sous le coude. On ramène, on pivote sur le pied, on vient regarder derrière. Voilà. Ok. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est bon d'après les commentaires. Je vois pas trop. Si, il y en a qui vont mourir. Nadine, c'est bien, t'as tenu. C'est cool. Cathy aussi, c'est cool. Merci d'être là. Bon ben, maintenant je vais me faire un marathon là, je vais courir à 40 bornes. Ah mince, confinement, je peux pas. Bon ben, ce sera pour une prochaine fois, dans un mois, voilà. Bon ben, nous on se revoit bientôt, samedi ou dimanche, donc un matin de 10h30 pour avoir un peu plus de marche. Comme ça après, pour ceux qui font à manger derrière, vous avez le temps, comme ça un petit cours entre 50 minutes et une heure. Voilà, ça roule. Allez, je vous dis bonne soirée, à bientôt.